Chers amis, bonjour et bon sabbat. C'est toujours une joie, un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui ce matin pour cette étude de l'école du sabbat. Moi, j'ai envie de saluer tous nos camarades internautes, que ce soit de Maurice ou ailleurs, nous heureux qui non seulement je peux écouter nous, je peux suivre nous, mais je suis aussi capable de participer dans mes commentaires. Donc, sans plus tarder, avant qu'il nous écoute la prière de Pasteur Arnaud, je demande de suivre attentivement le chant qui pourrait être interprété en ce moment. Last night, as I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice And then methought my dream was changed. The streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas. The little children sang. The sun grew dark with mystery. The morn was cold and chill as the shadow. Jerusalem, Jerusalem.
the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter in, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. Nous ensemble dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons remercier toi pour les paroles de ce magnifique chant. Permets qu'il nous capable de connecter nous avec toi et alors que mes deux amis et moi-même, nous pouvons ensemble partager, discuter la leçon avec les internautes qui sont capables d'assister nous et accorder nous sagesse et intelligence qui viennent de toi et que ce moment-là capable d'être un moment que vraiment, nous pouvons découvrir les vérités de ta parole. Inspire-nous quand ta parole est inspirée et ta parole est comme la lampe au nos pieds, une lumière dans nos sentiers, que cela vienne une réalité. Au nom de Jésus, nous pouvons prier toi. Amen. Amen. Donc, ce matin, on a la joie pour faire la leçon avec le pasteur Benjamin Rose et le pasteur Arnaud Mourven, qui nous guette et étudier ensemble cette dernière leçon. Donc, c'est vraiment une leçon passionnante, une leçon que nous étudions le livre de Deutéronome. Et Deutéronome, si nous comprenons bien, pour faire une petite révision, je veux dire Mishneh Torah, et Mishneh Torah veut dire répétition de la loi ou deuxième loi, ou Débarim, donc qui veut dire les paroles. Donc, ce livre peut être créé dans un contexte bien spécifique, juste avant qu'ils les enfants d'Israël pour rentrer dans la terre promise. Et pourquoi Dieu pour faire cela? Tout simplement parce que Dieu a envie d'assurer que l'alliance qu'il fait avec les pères Abraham, Isaac et Jacob, que les enfants d'Israël continuent God cette alliance. Et tu as envie qu'ils te lire avec moi dans Deutéronome, chapitre 7, les versets 6
les versets 6 à 8, quand elle dit ceci, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient en tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Donc, Liban qui nous comprend, et mon bon collègue est d'accord avec moi, le pourquoi de ce rappel, si je te l'ai, de la loi. Et là, aujourd'hui, nous terminons cette leçon par un personnage important, le personnage de Moïse. Et effectivement, Moïse nous connaît un petit peu ce parcours, nous connaît ces histoires, et même les enfants de la classe enfantine connaissent l'histoire de Moïse. Mais là, nous pouvons arriver vers la fin de sa vie et nous pouvons être ensemble durant ces quelques minutes que nous passons ensemble, comment la vie de Moïse est capable d'avoir un impact ou un exemple pour nous. Et là, adresse-moi à mon collègue Arnaud, juste pour poser la première question. Pasteur Arnaud, dis-nous, quelles sont les conséquences que Moïse finit gagner alors qu'il n'est pas écoute ce qui bon Dieu indique à lui? Lui qui est un leader, lui qui peut diriger ce peuple d'Israël, qui n'arrive lui? Très bien. Merci, mon très cher frère et pasteur et collègue Stéphane. Moi, vraiment content. Moi, j'ai comme l'impression, si mon mémoire n'a pas fait défaut, quand tu peux présente l'introduction là en hébreu, on a comme l'impression nous trois nous tirons au panel au commencement pour la première leçon et nous partageons la leçon de l'école du sabbat. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est la providence et nous peut conclure cette belle leçon. Moi, j'ai envie quand même, alors qu'il me peut répondre à ta question, demande à un internaute si vous êtes capable de mettre dans la boîte des commentaires. OK? Qui sont-ils qui apprennent pendant tout le long de sa trimestre-là? Ceux qui nous suivent pendant un moment, ceux qui nous suivent depuis le commencement, partagez avec nous quelles leçons ceux qui nous retenaient. Moi, je ne veux pas dire dis-nous ce qu'ils ont à nous dire. Non. Qui ceux qui nous retenaient de cette belle leçon du livre de Deutéronome concernant le peuple d'Israël, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et surtout le leadership de Moïse. Pour répondre maintenant à ta question, et je vous demande aussi, Pasteur Ben, si toutefois il est capable de rajouter à ce qu'il me peut dire, sans qu'ils soient à l'aise, et je suis content aussi de ce que mon internet peut interagir déjà avec nous. Moïse, il fait une faute grave. À première vue, nous prenons comme l'impression que c'est une faute qui est capable de laisser passer. Parce qu'il est capable de dire comme ça, get ça. Et bon Dieu, il y a une cause avec le rocher, mais il y a une frappe avec le rocher. Juste pour nous rendre dans le contexte de l'histoire, Moïse peut ressentir une pression, n'est-ce pas, Pasteur Ben? Hein? Une grande pression qui est là. Hein? Et nous pas parce qu'un petit église de 300 membres, là, hein? Nous pas parce qu'un petit congrégation de 111 membres, là. Nous pas parce qu'un petit congrégation avec 70 Dimoun là, nous peut cause à peu près approximativement, patriarche et prophète, dire qu'il arrive un moment où tu as 2,6 millions dans le désert. Wow. Nous peut cause une fois et demie la population de l'île Maurice qui l'eau sur les dos là. Qui faire, Pasteur Ben? Et 2,6 millions qui soif. Un, je perrode un élément fondamental. Je perrode un élément capital. Je peux boire, je peux soif. Je t'imagine, nous peux gagner chaud ici et de l'eau, c'est un élément indispensable. Et ça peut là, je peux gagner soif. Et je commence, tape le Moïse. Je ne peux pas trouver un petit peu là les congrégations. Je ne peux pas citer
qui congrégation, mais cause en général, une congrégation qui lance le leader, qui peut rôder en quelque chose. Et ici, le peuple d'Israël, l'eau les deux, Moïse et je peux rôder de l'eau. Moïse, impatient, impatient comme tout, l'IPAD contrôle, l'IPAD la maîtrise, au lieu qu'il cause avec Rosset, ok? Il y a le tap procès des fois. Il y a le brise sa symbole là. Le rosé, c'est qui? Je vous pose la question. Vous pouvez faire juif avec les autres. Vous pouvez répondre à une question, pas à une question. Le rosé, c'est qui? Pasteur Stéphane. Le Christ. Donc, le Christ. Un peu trop fort. Okay? Exactement. Le rosé, c'est Christ. Alors que de Christ, l'eau jaillit automatiquement. L'Ilial frappe au rocher. Alors que Dieu Indjali, il donne l'autre ben. Hein? Qui Dieu Indjali? Pas le rocher. Mais il laisse l'impatience dominer. Et c'est là que je souligne les deux points qui nous le sont faire ressortir. C'est que Moïse, in fine, a un manque de foi. Je pense au comportement. Il montrait qu'il y peine faire confiance à Dieu. Il montrait que dans son comportement, c'est lui, en d'autres mots, qui peut venir Dieu. Et il pâlit l'image de Dieu, la sainteté de Dieu devant le peuple d'Israël. On va voir si toutefois, il y a quelque chose pour te rajouter à cela avant qu'il me conclure la question que Stéphane pose nous. Ben, est-ce que tu as quelque chose pour te rajouter à cela? C'est toujours avec ça même l'idée qu'il te peut dire là. Hein? Il peut faire, je comprends, je peux soif, je peux rôder de l'eau, moi, tant que je vous donne de l'eau. C'est moi qui vous donne de l'eau et nous peut réaliser, je disais tout à l'heure là, la parole d'abord, hein, Stéphane Indjali, Dieu pour causer, et lui, il n'est pas pour le parler, il n'est pas pour de la discussion, il pour venir pour taper, il pour tirer, il pour perdre sa symbolisme. Qui bon Dieu tiennent Christ, le rocher de notre vie, ce qui nous demande, il donne nous. Voilà, il fait une usurpe, ça, il fait une casse ça, ça symbolisme. C'est oui, Stéphane. C'est intéressant à noter, c'est qui le peuple, la manière dont je t'y peux causer, c'est comme si je suis capable de mettre à mort Aaron et Moïse dans cette période-là, je t'y vous fais aller. C'était pour une simple petite chose parce qu'il n'est pas oublié, qui depuis, et là, mon content, ça prend ça l'exemple, hein, parce que depuis que je quitte l'Égypte, Dieu est toujours pour voir à ce besoin. Que ce soit à travers la présence de Dieu, qui est déjà une petite chose extraordinaire, parce que le soir, la colonne de feu qui réchauffe eux. Et le jour, la colonne de nuée qui t'y couvrait à eux. Et non seulement je ne trouve les miracles, bon Dieu, ils nourrissent eux de la manne pendant 40 ans. Et là, à un moment donné, c'était une frustration énorme. Et là, moi, pose-moi la question, et peut-être en tant que Camille, je suis capable d'essayer de réfléchir ensemble, et même par l'internet qui là, je suis capable d'essayer de dire en commentaire. Et comment. Et quand nous arrivons à nous faire face à un problème, quelle est notre première réaction? Hein? Et la dernière fois, je me rappelle, parce que nous nous disait ça, hein, nous disait « Adieu, bon Dieu ». Comme si c'était Dieu qui est la cause de tous nos bons problèmes. Hein? Et le langage que le peuple a utilisé peut dire « Vomis nous timol en Égypte ». Et ce n'est pas la première fois que je peux utiliser de tels langages face à Moïse et à Aaron. Et nous comprenons, je ne suis pas là pour défendre Moïse de cette action, hein, mais moi, envie de dire que c'est non seulement un manque de foi, mais c'est cette frustration qui pousse lui et pour le faire, ce qui n'est pas bien. Et moi, te permets-moi, Pasteur Arnaud et Pasteur Ben, pour dire que des fois, nous caractérons dans sa piège-là. Situation arrive nous. Et nous répondre, comment dire ça, rapidement, sans réfléchir, qu'il peut faire. Ce n'est qu'après qu'il nous peut réfléchir. Et me comprend qu'il est bon Dieu pour amener Moïse à la réflexion après par rapport à ses conséquences. Mais tu peux réaliser, merci pour ce commentaire-là, tu peux réaliser que quand nous peut réfléchir,
un peu trop tard. Effectivement. Hein? Un peu trop l'action tard. Est alors, déjà passée. L'action est finie faire. Et quand nous réfléchissons l'action, péché est fini commettre. Et pour ouais. rectifier ça, Deutéronome chapitre 3, le verset 26 précise ça. Dieu dit comme ça, ne me parle plus de cette affaire. Comme si dirait Dieu infini close l'eau sacrifice. Parce que Moïse infin manque de foi en Dieu. Et Moïse, comme si dirait que c'est lui qui peut être Dieu à la place de Dieu. C'est lui qui fait un miracle. C'est pas Dieu qui fait un miracle. Et de par son comportement, ça peut plaire Dieu. Et en plus de ça, devant le peuple d'Israël, parce que Moïse était supposé de représenter Dieu devant le peuple d'Israël, il y a une représentation de Dieu, il y a une représentation de la loi de Dieu, mais l'in désobéir à Dieu et l'in envie prend la gloire pour lui, comme se dirait, dire le peuple d'Israël, comment veut-il dire, c'est moi qui Dieu, check-moi, guette qui m'a capable de faire, je peux rôder l'eau, aïe papa. De l'eau sortie. De l'eau, tu n'es capable de pas sortir. De l'eau, tu n'es capable de pas sortir parce qu'il est désobéi. Mais le fait que Dieu, c'est un Dieu d'amour, vous pouvez suivre moi. Même dans nous les rires, il a toujours compassion de nous. Mais il est toujours un Dieu discipline. Et c'est ça qui, des fois, nous pas arriver à comprendre comment le Dieu d'amour est aussi exigeant à l'obéissance. À l'obéissance. Et pour conclure ma réponse à ça avec une citation qui trouve dans Patriarches et Prophètes, lui dire que Ellen White précisait si Moïse parti commettre sa faute là, si Moïse parti faire sa péché là, lui pour rentrer dans la terre promise et lui pour être transféré directement au ciel sans qu'on la mort. Le fait qu'il ait désobéi, il connaît la mort. D'ailleurs, conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. Hein? Conséquence du péché, c'est la mort. Je suis capable de vérifier la citation qui se trouve dans Patriarches et Prophètes et Modenzot, la page, tout de suite, c'est la page 478 dans la version anglaise. Avant que Stéphane a avancé, mon envie de dire simplement quelque chose pour amener l'exemple à nous déjà. Hein? Nous trouver comment c'est. C'est le couteau, hein? C'est même pas un pas. C'est même pas un pas à côté, nous trouvons-nous facilement, nous facile glisser, nous facile tomber. Nous trouvons Moïse, l'homme selon, comment nous capable de dire, l'homme qui a cheminé avec Dieu, qui tellement l'imploré avec bon Dieu, nous trouve la lumière de Dieu fin resplendir au lit. Mais un simple écart, un petit moment, quand nous trouver nous capables de glisser et tomber dans notre extrême. Donc, nous trouver comment le chemin est dangereux, comment le chemin est difficile, là, quand nous pouvons aussi. Moi, content aussi que nous pouvons trouver nous, une camarade internaute, peut réagir par rapport à cela. Pasteur Stéphane, qui nous capable d'apprendre de la mort de Moïse et de sa résurrection? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il aussi est capable de nous une explication qui est assez théologique? De Jude 9. Comment on nous connaît Jude est dans un seul chapitre, ok, dans le verset 9, qui l'explication est capable de nous clore ce texte-là. Mais écoute-toi, nous écoute-toi. Merci, Pasteur. Ce qui est intéressant à comprendre, le livre de Deutéronome termine avec la vie de Moïse. Mm-hmm. Là, on arrive, Deutéronome est chapitre 34. Et je pensais qu'ils ont gagné l'occasion de les lire à la maison. Mais ce qui est intéressant, pour moi, étudier ça, chapitre 34, il me trouve qu'il y a plusieurs parties. Premièrement, Dieu pour montrer lui. Il pour montrer lui tout le pays aux alentours. Il disait voilà, je pour donner ça à ce peuple parce qu'il me fait alliance à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, nous trouve que Dieu peut envie de rassurer Moïse pour dire, écoute, te point le reposer,
mais seulement ce peuple-là pour rentrer dans la terre promise. Et ce qui est intéressant encore, non seulement, c'est vrai, hein, et la leçon fait nous comprendre, c'est pas qui, quand il vit nos montagnes, il trouve tout cela, hein, et c'est dans une vision qui bondit pour montrer lui cela. Et ce qui est bien, au verset 7, nous trouvons la condition de la santé de Moïse, hein, parce que ça une intrigue moins un peu. Hein. Je connais quand nous remplaçons un leader parfois, nous remplaçons un leader quand il est fatigué. L'idée quand il n'est plus capable, hein, nous dit bizarre de se remplaçant, hein. Donc c'est vrai qu'il... On a utilisé l'expression je donne la place aux jeunes. Voilà, hein. Donc mais l'étant lié le verset 7, dit nous Moïse était âgé de 120 ans, OK, et puis lorsqu'il mourut, il dit sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc veut dire qu'il tient la conclusion que Moïse, si capable encore des années, dirige sa peuple-là. Mais bon Dieu, pour dire, allez arrêter. Et là, nous révine par rapport à la conséquence de ce péché, parce que s'il est continué, il se rend dans la terre promise. Mais bon Dieu, pour dire, allez au verset 4, OK, mais tu n'y entreras point. Parce qu'il faut dire, tu finis d'hier, de pas pour rentrer dans la terre promise. Mais effectivement, hein, nous trouvons qu'à la fin, non seulement donc, pour la vigueur, nous trouvons la force, verset 7, pour nous montrer nous que Moïse est encore fort, et verset 10 et 12, hein, ce qui me content, le livre termine quand même, pour moi, c'est une panégérie de Moïse. Hein, pour dire que Moïse tient un prophète semblable, pas tient aucun prophète semblable à lui, qui t'y cause face à face avec bon Dieu, ça a démontré sa relation intime avec lui, et bien sûr, Dieu vous permet de faire aussi des miracles et des prodiges. Hein, nous connaissons un des miracles, c'est quand il est devant Pharaon, comment bon Dieu pour faire lui mettre ban prodige, ainsi, pour faire lui faire ban prodige, et aussi devant la mer Rouge, ça c'est l'histoire qui pour moi est intéressante. Donc, mais Dieu n'est pas quitté ce peuple orphelin, parce qu'il est pour nommer Josué, qui je t'ai à lire au verset 9. Donc, nous trouvons l'amour de Moïse. Comme si quelqu'un très apprécié de Dieu, hein, moi pour dire, hein, très apprécié de Dieu, et l'amour de Moïse montre-nous qu'il y a reposé en ayant l'assurance que Dieu peut établir sa promesse. Et là, la deuxième question, c'est que Moïse, non seulement lit pour mort, mais aussi pour une résurrection. C'est un peu rare qu'il ne trouve une résurrection, surtout dans les cinq premiers livres de la Bible. Donc, il n'est pas mentionné, sorry si je me peux prendre un petit peu le temps, il n'est pas mentionné, mais juste pour attirer nous l'attention. Et j'ai envie qu'il nous comprend cela, hein, juste un chapitre 1er, verset 9, pour cause de la résurrection de Moïse. Excuse-moi, Pasteur Stéphane. Oui. Excuse-moi. Ce qui est plus étonnant là-dedans, c'est qu'on dirait nous trouver une discussion d'un cadavre. Oui, et Lola, tu m'as pouvé. Exactement. Qui nous manque Lola. Hein. Parce que quand nous lisons Jude, Lydianus ceci, Lydianus, oh l'ange Michel, qui est une transitération de l'hébreu Michael, qui nous peut trouver. Dans Daniel chapitre 10, verset 13, nous sommes capables de trouver dans Daniel chapitre 12, verset 1er. Donc, Daniel chapitre 10, verset 13, c'est Michaël, l'un des principaux chefs, Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants du peuple. Et ce même mot, nous pouvons trouver dans Jude chapitre 9, la divine Michel. Et Michel, nous pouvons trouver un peu plus tard dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, quand il y a la guerre dans le ciel, il dit Michel et ses anges. Donc, nous, on comprend, et selon. Commentaire biblique, hein, et Lydia qui dans la littérature juive, Michel et Michael est décrit comme l'ange qui occupe un rang très élevé. Donc, nous tient la conclusion que ce Michel, Michael ou Michel qui nous fait causer dans la Bible, lui représente Jésus lui-même. Donc, prenant en la guerre entre comme finalement dans Apocalypse 12, verset 7, qu'on a une lutte de la guerre, qu'on a pour autre
prend le corps de Moïse. Et nous connaissons que nous bon Dieu, il faut notre Sauveur Jésus, il pour gagner la victoire. Et Ellen White dit à nous pourquoi Jésus a envie de gagner ce corps. Hein? Parce qu'il te dit un peu plus tôt, Pasteur Arnaud, que si Moïse partit pécher, il peut aller dans le ciel hein, sans qu'il ne commette de péché. Hein, c'est ça? Hein? Donc oui. Là, nous trouvons qu'il commet un péché, et là, Satan peut dire non, il ne peut pas ressusciter. Mais Jésus peut dire non, il ne peut ressusciter. Et là, Ellen White peut dire dans le livre Jésus-Christ, hein, donc chapitre 46, quand il cause sur la transfiguration. Donc, il dit ceci, Ellen White peut dire ceci à la page 679, quoique Moïse ait souffert la mort, il ne resta pas dans le tombeau. Le Christ lui-même le rappela à la vie. Satan, le tentateur, avait réclamé le corps de Moïse en se prévalant de son péché. Mais Christ, le Sauveur, le fit sortir du sépulcre. Donc, Satan peut regarder, mais Christ pour faire tout pour qu'il y sorti du sépulcre. Moïse, maintenant, paraissait sur la montagne de la transfiguration comme un témoin de la victoire remportée par le Christ sur le péché et sur la mort. Il se tenait là comme le représentant de ceux qui sortiront du sépulcre lors de la résurrection des justes. Donc Amen. Voilà pourquoi Moïse, bon Dieu, Jésus pour ressusciter lui, parce que Dieu t'a envie de montrer ce toute-puissance. Et c'est vrai, Enoch pour enlever, Élie pour enlever, mais Moïse, bon Dieu, pour ressusciter lui, pour qui Lial au ciel. Et bien sûr, nous connaissons cette histoire de la transfiguration quand les disciples trouvent Moïse et Élie. Et c'était intéressant. Oui, Pasteur Neu. Merci pour cette explication-là. Et pour permettre toi de conclure ce qui te tient dans l'intention, pour te dire, moi, j'ai envie de juste ajouter une petite phrase. Quand un jimoun confesse son péché et demande pardon pour son erreur, la mort n'est bien à pouvoir le lit. Effectivement. Parce que Moïse, c'était quelqu'un qui finait pardonné par Dieu. Et quand nous demandons pardon et nous renouvelons nos confiances en Dieu, c'est Christ qui n'a vie, qui n'a pouvoir le lit, non pas l'ennemi de Christ. Et c'est pour cela, encore une fois, nous trouver Satan et une fenêtre vaincue, parce que Christ, il pardonne Moïse et il. Moïse t'in renouvelé, bien dire, t'in renouvelé sa confiance dans le Créateur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, oui. Si tu permets, dans ce flot-là, pour dire, nous regardons l'épisode lorsque bon Dieu dit à Moïse, il perd le mot. OK? Bon Dieu dit, il monte la montagne, te perd le repose-toi. Mais Moïse, il calme. C'est plus ce même Moïse qui t'y tout excité. Ce même Moïse qui peut perdre de l'avenir, qui peut arriver devant, mais c'est ce Moïse qui peut faire bondir, folie confiance. Amen. Il vous laisse bondir, dirige sur la vie, arrive ce qui arrive, mais fais-toi confiance. Donc, nous trouvons ce shift, nous trouvons ce changement complet, hein, un abandon total entre les mains de Dieu. Donc, nous trouvons ce changement dans la vie de Moïse. Et comment nous dire, pour qui cela est capable d'arriver, Pasteur Ben, c'est par rapport à la relation, et moi, je suis content de dire ça. La relation qui Moïse finit avec bon Dieu. C'est comme si tu peux rendre un bis, tu connais ce faire là, et pour toi, ça se ferait pour amener toi au bon port. Hein? Peu importe quand tu peux aller, tu dis non, tu es tellement en confiance en lui qui te peut aller au bon port. Et c'est là que me trouve Moïse, et effectivement, ce calme-là, il est serein parce qu'il connaît qui peut arriver. Et ce qui est bien, il rentre dans la terre promise, mais il rentre dans la terre, nous capable de dire, terrestre. Céleste, pardon. Quand il est avec bon Dieu, et jusqu'à présent, il est encore vivant. Et je crois que Pasteur Ben est d'accord avec moi que la mort, la résurrection de Moïse pousse nous a aussi une espérance. Qui te pensait en tant que nous, en tant que peuple de Dieu? Nous trouvons c'est une heureuse espérance. Malgré que le temps peut jouer contre nous, l'eau, la terre,
ici, mais aussi le temps pèse contre nous sur le plateau, mais nous connaît nos minutes sans compter, mais pour dire aussi, donc c'est la bienheureuse espérance. Nous, en tant que chrétiens, nous disons souvent, nous répétons et nous vivons les. C'est une bienheureuse espérance. Nous laissons pour dire, nous, comme Moïse, un premier exemple de l'humain déchu. Nous finissons péché, le salaire du péché, alors nous, une diète, elle est là. Le salaire du péché, c'est l'ambo. Mais nous pas arrêter avec cela. Heureusement, comme Moïse, nous aussi, nous avons l'espérance là, malgré que l'homme finisse déchu, nous finisse chuter. Mais heureusement, quand nous avons l'espérance qu'il y a quelque chose de meilleur qui, bon Dieu, finisse préparer pour nous. Et pourquoi nous comptons cela? L'espérance en qui? Je disais tout à l'heure, nous prenons l'exemple de Michel. C'est qui? L'exemple veut dire, la traduction veut dire celui qui est comme Dieu. Et qui est comme Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Okay? Donc Jésus fait homme, donc il est Dieu. Et Dieu lui-même vient en personne se battre pour moi. Donc, on me pose la question. Pour toi, c'est quoi? Quelle est la bienheureuse espérance? Je me pose de la question, mais nous regarde un petit coup qui l'espérance, qui nous a l'espérance faux, dans 1 Corinthiens 15, le verset 22. Le chapitre en entier est faux, mais moi pas pour lire le chapitre avec d'autres, les temps joués contre nous. Qui dit, nous prend l'exemple, nous causons, hein, Adam, l'exemple, l'homme qui a chuté. Moïse a chuté lui aussi. Et tous les hommes de la Bible viennent chuter et n'ont qu'au péché chuté. Mais heureusement pour nous. Et comme tous meurent en Adam, le verset 22, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Ah, c'est une bienheureuse espérance. Nous connaissons en Jésus, nous prenons la vie. Alors, nous retournons avec le thème de la leçon. OK? Deutéronome. Les paroles de Dieu, quelles paroles? Paroles d'espérance. Pourquoi? Le thème veut dire l'alliance. Nous pourrons vivre quand? Si nous n'avons, comme Stéphane dire ça tout à l'heure là, si nous avons l'alliance, si nous l'alliance avec Dieu est fort, si nos relations avec Dieu est fort, nous connaissons nous sa bienheureuse espérance là. Nous capables d'atteindre sur quelque chose que Dieu a déjà préparé. Comme Moïse finalement la tête tranquille, l'iconique que Dieu pour faire pour lui. Ce que Dieu fait. Jésus l'avocat qui peut lutter pour nous. Ah, le diable nous trouve tout le temps une salle à guerre entre le bien et le mal. Lucifer. Le diable paie la guerre avec Jésus, Jésus le défenseur, Jésus l'avocat, alors que le diable peut dire non, 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 un pécheur, ça, hein, il mérite la mort, lui. Mais Jésus dit non, moi, mon vin pour lutte pour lui, pourquoi? Parce qu'il finit accepter moi, maudissant une versée pour lui. Et ça, c'est la bienheureuse espérance, tant qu'il nous reste attachés avec Jésus. Nous attachés, nous gardons ça, l'alliance, comment nous trouver la vérité présence. L'alliance dans le Deutéronome, l'alliance qui nous fait avec Jésus et qui nous coupé vivre dans nos vies maintenant en 2021, à la veille de 2022. Et qu'en est-il de vous? Qui bienheureuse espérance de ténant? En une phrase, hein, en une phrase, comment nous capables résume pas seulement la leçon d'aujourd'hui, mais aussi résume le livre, hein, les livres de Deutéronome, l'étude qu'on a fait ensemble. Alors, nous commençons ensemble et nous terminons la leçon ensemble. Quel résumé en une phrase capable de nous? Pasteur Ben, te pour, excuse-moi, il est difficile pour résumer ces 13 leçons en une phrase. Mauvais bon, une phrase, mon grave, résume ces 13 leçons. Et c'est une leçon extraordinaire. Monsieur est certain qui nous trouve le livre de Deutéronome sous une autre langue et la manière dont l'auteur présente les. Moi, je dirais comme ça, tout type cause de la résurrection, je pense à tous ceux et celles qui nous perdent une proche par rapport à COVID-19. Partout que nous pouvons tourner, nous pouvons tendre aux radios, téléphone peut sonner, un tel est décédé, etc., etc. Et je sympathise avec tous ces cœurs en deux liés. De tout ça, Mandimoun qui ne perdu un proche, pas nécessairement avec le virus, mais pour une raison ou pour une autre, par une autre maladie ou par un accident, il ne perdu un proche. Mais moi, j'ai envie de juste dire sa phrase-là. Dans la présence du prince de vie, la mort peine à place. Amen. Je veux dire, moi, j'ai envie d'encourager tout à chacun
OK? En ce 25 décembre, ce n'est pas parce qu'il nous peut nécessairement fête la Noël, mais qu'il nous capable oriente nos pensées vers celui qui nous ressuscité d'entre les morts. Oriente nos pensées non pas vers celui qui naît, mais vers celui qui nous dit « Je reviendrai ». Amen. Parce qu'en lui, il a l'espérance de la vie éternelle. En lui, il a la paix éternelle. Ça, c'est ma conclusion. Ben. Merci. Merci à nous, Stéphane. Donc, pour moi, moi aussi, mon papa a dit ça en une phrase, mais juste pour dire qu'effectivement, nous trouvons dans le livre de Deutéronome et il y a un que bon Dieu choisit un peuple. Mm. Et me content quand dans Jean chapitre 15, bon Dieu pour dire je vous ai choisi. Amen. Mais, qui m'a été pour qui bon Dieu choisit moi? Moi, ce créature, moi, ce enfant. Mm. Et le fait qu'il m'a sa l'identité d'être appelé enfant de Dieu, Jean chapitre 1er, cela donne-moi l'identité qui un jour me pourrait retrouver moi dans le royaume des cieux. Et c'est vrai qu'il y a certains qui peut-être pas douter, vous dire si nous pour gagner, nous pas pour gagner. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est fini de nous. Amen. Jean 3, chapitre 16, Jean 3, 16, fini de nous. Hein, afin qu'aucun périsse, mais qui tous nous arrive et nous gagne la vie éternelle. Et, et ce qui m'a envie de dire, qui nous peut vivre dans une période hein, qui est appliquée. Moi, pose-moi la question tous les jours. Hein, moi, je souhaitais que nous tous, chacun d'entre nous, posons cette question-là. Et quand mon relation était avec bon Dieu, parce que le plus grand désir de Dieu, c'est qu'un jour, il trouve nous face à face. Amen. Et mon corps, qui est dans un jour, quand le Christ peut venir, il ne peut pas appeler nous, il peut changer le nom, mais il peut de nous cette terre promise, hein, il peut dire le royaume céleste qu'il dit à nous. Et quand nous guettons tout le long de, depuis le péché jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, bon Dieu a un seul but, c'est qu'il nous touche, nous retrouve dans le royaume des cieux. Avec Amen. Jésus, c'est possible. Amen. Et toi, Pasteur Ben? Pour conclusion, pour ce moment de partage. Pasteur Ben, nous avons un petit problème de connexion, mais nous continuons. Et juste pour dire à mon internaute, et comment je peux conclure sa leçon-là, pas hésiter, écrire-le en commentaire. Et là, nous retrouvons Pasteur Ben. Pasteur Ben, comment toi te conclure cette leçon? Ton micro. Mon envie aussi rappelle-nous quelque chose. Merci, les amis, pour cette conclusion. Mon envie rappelle-nous aussi quelque chose que, comment on nous finit, nous pouvons vivre dans une époque où rien n'est bon. Nous trouvons beaucoup de familles finies séparées dans un bon moment. Même si nous avons une famille encore vivante, même si nous sommes en bonne santé, mais les temps papés permettent nous de joindre nos bons camarades. Nous, spécialement les Mauriciens, nous comptons bien entrelacés, bien entourés, les périodes des fêtes, ainsi de suite, bien familiales, bien amicales, mais nous trouver dans sa séparation qui peut passer à, par rapport à la maladie. Il y en a beaucoup, je nous dis un petit peu plus tôt, beaucoup nous séparer, même dans la mort. Hein? Les familles finies en deuil nous connaissent, des proches qui nous connaissent, les autres mêmes autres connaissent, des personnes qui finent juste là, finent perdues, des proches qui perdent maman, papa, ainsi de suite. Mais heureusement, que Jésus dit à nous, l'il y a avec nous. Amen. Dans ce moment difficile-là, sachant que nous ne sommes pas seuls. Même si il y a la séparation, spécialement dans ce moment de fête, je comprends la difficulté. Mais Jésus dit à nous, nous pas tout seuls. L'il y a avec nous. Et la bienheureuse espérance que ceux qui finissent à reposer, nous pourraient être aux autres. Amen. Ah. Cette fête, Pédianou, avant qu'il nous laisse la parole à Stéphane pour prier, nous rappelle aux autres que cette fête, il annonce nous la nouvelle qu'il y a un Jésus qui est venu, qui naît pour nous. Il est venu, il vit sur la terre. Il est mort pour nous, il verse du sang pour nous. Il est finalé. Mais ce n'est pas l'hypanalène vacances. L'hypanalène vacances à l'étranger et COVID fait une bloc l'idée. Non, c'est ce même Jésus qui reviendra. Le petit Amen. Jésus, il n'est plus dans le berceau. C'est le grand Jésus
qui ne vive, qui ne mort pour moi, qui ne ressuscité, il est au ciel et très, très bientôt, il reviendra. Et selon sa parole, c'est le Dieu de l'Alliance, hein? Il n'est pas pour faillir à sa parole, il peut retourner, il peut venir servir nous, les vivants, mais aussi ceux qui viennent morts pour ressusciter, les morts en Christ, pour ressusciter, et tous ensemble, nous pouvons vivre dans le ciel avec lui. Pourquoi cela? Parce qu'il l'a promis. Et ce Dieu qui ne faillira jamais. OK? L'Éphésiens dit à nous, il est la résurrection et la vie. Personne n'est pas capable de garder nous loin de lui. Pour moi, c'est sa bienheureuse espérance qui m'a parlé perdu et qui m'a envie faire je connais, peut-être s'ils n'ont pas connaît, mais c'est qu'ils ont connaît aussi. Tenir cela bien fort, quand très bientôt, nous paierons à la maison pour vivre l'éternité avec Jésus et toute notre famille. Amen. Donc, pour conclure, et avant de nous passer à la semaine prochaine, je vous laisse la parole à Pasteur Stéphane pour prier avec nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous envie louer toi de ce que ta parole est toujours une parole réconfortante, une parole d'espérance, une parole qui donne nous un but, une parole qui dirige nous et une parole qui montre nous que nous pouvons être un jour. Père éternel, merci de nous poser encore cette question. Que te mette devant nous la mort et la vie. Mais le choix qui te demande nous, c'est de choisir la vie. Parce qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle. Grand Dieu, qui chacun de nous ne pas rate ce cadeau précieux qui Jésus de nous. Alors que le monde entier peut célébrer la naissance de Jésus, grand Dieu, qui nous pas oublié, qui nous sauvait à travers sa vie, sa mort, mais aussi à travers sa résurrection. Comme l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 6, qui maintenant, celui qui ne ressuscité, la mort peina pouvoir le lit. Et qui, bon Dieu, nous capable de faire ce Dieu-là confiance, comme Moïse l'a fait, et qui un jour, comme Moïse, il reposait, la leçon dit à nous ne pas connaître combien il est temps, mais nous aussi, si un jour, nous être appelés au repos, quand nous pourrons lever, qui nous capable, trouve-toi face à face et que te poudis à nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mon souhait est que chacun de nous, chaque personne qui n'accepte toi dans toute la vie, nous capable un jour hérite ce royaume des cieux, car il est dommage qu'il nous connaît la bonne nouvelle et qu'il ne pas retrouve nous dans ce royaume éternel. Éternel, bénis chacun d'entre nous, bénis nos enfants, bénis notre famille, bénis nos voisins, bénis tous ceux qui nous côtoyaient, afin qu'à travers nous, je te suis ces personnes qui pensent comme toi ou qui peinent cette espérance de la vie éternelle, je te capable un jour connaître la vie éternelle et un jour nous capable être au ciel avec eux pour l'éternité. Merci de cette grâce. Merci de ta miséricorde, merci de ta bonté et merci surtout de ton amour envers nous. Nous prions en Jésus. Amen. Mes amis, je vous remercie les autres pour déjà me remercier mes deux amis et collègues Stéphane et Arnaud pour ces bons moments qui nous font passer ensemble pour le partage de la leçon. Merci à vous, amis internautes, de suivre nous pendant ces 13 leçons du livre de Deutéronome. Nous finissons de passer un bon moment à fouiller, hein, à étudier cette leçon. Je me demande aux autres, si vous avez envie, retrouve la leçon, les leçons peut-être qu'ils ont été ratées. Vous êtes capable toujours de retrouver les leçons sur AWR Maurice ou sur la page du diocèse, page YouTube et Facebook du diocèse Adventiste, nous donnons autre rendez-vous la semaine prochaine que nous pouvons étudier une nouvelle leçon sur le livre des Hébreux. Donc, vous êtes capable dès maintenant d'étudier le livre des Hébreux en entier et bien sûr voir les 13 leçons qui nous pouvons passer ensemble. Nous donnons autre rendez-vous l'année prochaine. OK? Nous espérons que vous pourrez être toujours fidèles à nous et je pourrai surtout continuer à étudier la Bible, continuez à lire les leçons
qui, bon Dieu, peut permettre de nous gagner. Merci Arnaud, merci Stéphane. Donc, bonne année à tous, bonne préparation, amusez-vous bien, mais en restant fidèles à notre Seigneur Jésus. Merci, au revoir. Amen. Amen. Voilà. Bonne année à tous, au revoir, bye bye. Bonne année à vous Bye bye, tous. merci à Bonne tous, année. merci encore à l'équipe technique et tous ceux qui travaillent derrière les rideaux. Merci, bye. Au revoir.